Eh bien, salut tous les amis, c'est Archie, comment ça va? Aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on part pour le tuto sur les quêtes, du tout montrer comment réaliser donc ces fameuses quêtes. Mais en tout cas, amis, je vous rappelle que le code créateur Archie est toujours disponible dans la boutique et c'est pas à utiliser pour me soutenir, mais également soutenir Archie en achetant vos skins, vos battle pass, énormément de nouvelles promotions sont disponibles dans la boutique. N'hésitez pas à utiliser le code créateur Archie en tout cas pour me soutenir et soutenir la chaîne. Merci à toutes les personnes qui utilisent ou que disons le code créateur Archie pour le soutien, vous apportera certainement. Merci beaucoup pour ça. Les amis, pour cette nouvelle quête, relax, il va falloir donc partir accomplir donc et surtout il va falloir aller activer, établir la liaison avec l'appareil et ensuite on pourra faire la quête et nous on va se retrouver dès qu'on est là-bas. Mais avant tout, amis, je vous rappelle qu'il y a, on est en live pratiquement tous les soirs, n'hésitez pas à venir nous rejoindre, cette même chaîne YouTube sur laquelle on est actuellement, on fait énormément de choses en live, donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre, on joue ensemble surtout, donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre, cette même chaîne YouTube sur laquelle on est actuellement, en vous abonnant mais également en activant la petite cloche pour avoir une notification des prochains lives, des prochaines vidéos. N'hésitez pas, en tout cas ça se passe ici et nous on se retrouve dès qu'on sera à la liaison. Donc les amis, on va aller activer donc la liaison juste ici. On est à Circuit Chunker, vous avez vraiment tout Circuit Chunker, Kondo Cannon et Bourjonzi pour activer la liaison. On active la liaison et maintenant on va pouvoir donc aller réaliser la quête qui est donc d'aller trouver le fameux fauteuil. Donc le fauteuil se trouve juste ici, on va pouvoir aller en direction du fauteuil. Et pourquoi je suis venu à Circuit Chunker, c'est pour avoir des véhicules et maintenant on va pouvoir aller trouver le fauteuil qui est à l'emplacement exact où j'ai mis le ping et on va se retrouver dès qu'on est là-bas. Donc on est à l'emplacement où le fauteuil se trouve, donc le fauteuil se trouve juste ici, donc à l'emplacement, donc à l'emplacement des 7, à l'avant-poste des 7 exactement, on est juste ici, il y a le fauteuil juste là. Donc on va interagir avec lui et donc maintenant on a trouvé le fauteuil, la quête est réalisée et maintenant on passe à la prochaine. Nouvelle quête les amis où il va falloir encore une fois aller établir la liaison. On a différents emplacements pour aller établir cette fameuse liaison. Nous on va se diriger du côté de Coney Crossroad pour aller établir la fameuse liaison, mais vous pouvez aller du côté de Logjam, Greasy ou également Bourjonzi et on va se retrouver dès qu'on y est. On établit la liaison et on va donc pouvoir aller réaliser la quête. Alors il va falloir parcourir une distance en sprintant. Alors comment on fait? On va sprinter tout simplement et on va faire automatiquement les 500 mètres qui vont nous être, qui nous sont demandés tout simplement. Donc regardez, là on est à 33 mètres et en fait le sprint c'est quoi? C'est la petite jauge en bas à gauche blanche qu'il va falloir activer à chaque fois pour donc parcourir les 500 mètres. Donc là on active la jauge et là on court, on court, on court et voilà que la distance augmente petit à petit. Lorsque vous n'avez pas la jauge activée, et eh ben ça ne fonctionnera pas, le temps, enfin la distance ne s'accumulera pas et donc maintenant il faut faire ça uniquement et ça jusqu'à que vous atteigniez les 500 mètres pour pouvoir donc réaliser et terminer la quête. Donc maintenant il va falloir, pour continuer la prochaine étape de la quête, c'est ramasser de la nourriture sur le terrain. Déjà regardez, on a ici de la nourriture juste ici, donc on va pouvoir la ramasser. Et très simple, c'est d'aller dans une maison en fait simplement et d'aller ici. Regardez, ici on fouille et on va ramasser de la nourriture sur le terrain. Donc maintenant qu'on a ramassé de la nourriture sur le terrain, on va pouvoir l'utiliser. Donc il va falloir, pour l'utiliser, donc là c'est très simple, ça se consomme très facilement. Donc hop là, on consomme, on consomme, on consomme et il nous en manque deux. On va récupérer le dernier fruit qui nous manquait ici. Regardez ici, il nous reste un dernier fruit. Donc vous avez plusieurs choix, soit vous prenez les fruits directement, les clombés, soit vous allez récupérer dans les maisons, dans les boîtes de nourriture, la nourriture et vous la consommez juste ensuite. Maintenant la prochaine quête c'est de parcourir la distance en nageant cette fois-ci. Donc on va se diriger vers un lieu, vers de l'eau en fait simplement. Donc là par exemple il y a un petit lac, alors c'est pas forcément le meilleur emplacement mais ça va très largement faire l'affaire parce que si vous êtes là c'est des petites zones, alors que si vous allez dans des grandes zones où il y a beaucoup d'eau vous pourrez plus facilement faire la quête. Donc là il va falloir juste aller-retour en fait simplement, donc ça va prendre un petit peu de temps et une fois que vous aurez réalisé les 500 mètres en nageant vous pourrez donc, vous aurez donc réalisé la quête. Et nageant c'est pas sautant, hein. Vraiment il faudra nager pour bien pouvoir réaliser la fameuse quête en faisant des allers-retours ou sinon en allant n'importe où mais dans un point d'eau qui vous permet de nager. Allez, on va établir une liaison et on va donc aller réaliser la quête. Pour cette nouvelle quête il va falloir aller établir la liaison, donc la liaison est pareil aux mêmes emplacements, Circuit Chunker, Kondo Canyon ou Bourjonzi. On va se diriger vers l'un des emplacements pour aller établir la liaison et enfin terminer les quêtes, qui est donc de briser le champ d'énergie autour du fauteuil. Donc le fauteuil n'a pas bougé, il est toujours au même emplacement du côté de l'avant-poste des 7 et on va donc pouvoir aller briser le fameux champ de force qui se trouve autour. Donc le fauteuil est ici et le champ de force est toujours ici également, donc on va s'y approcher. Donc on s'approche du fauteuil, vous voyez qu'on ne peut pas interagir avec, on va directement mettre un coup de pioche dedans et là on a brisé le champ de force et le champ d'énergie autour du fauteuil et maintenant il nous reste plus qu'à prendre le fauteuil. On va interagir avec celui-ci et la quête est maintenant terminée. L'onde de choc de magnitude a terminé la quête et maintenant on a terminé toutes les quêtes relax de la semaine. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à laisser un j'aime et un commentaire pour me dire ce que vous pensez de la vidéo, également à vous abonner pour ce qui varie prochainement en termes de tutos, d'astuces, de news, énormément de choses.
déjà en préparation vont arriver sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à rester connecté en vous abonnant à cette même chaîne, mais également activer la petite cloche pour avoir les notifications des prochains lives, des prochaines vidéos. On est en live pratiquement tous les soirs sur cette même chaîne YouTube. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. On fait énormément de choses en live, donc n'hésitez pas à vous abonner puisqu'on joue ensemble surtout en live. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur la chaîne YouTube sur laquelle on est actuellement. En décision, vous avez mon compte Twitter, mon compte TikTok. N'hésitez pas à les suivre pour booster un maximum ma chaîne et surtout ne plus rater aucune information autour des lives comme des vidéos. Ça se passe sur mes réseaux sociaux en décision. N'hésitez pas à les suivre pour booster un maximum ma chaîne. Dernière chose, amis, mon code créateur est toujours disponible dans la boutique. N'hésitez pas à le laisser pour me soutenir, mais également soutenir la chaîne en achetant vos skins, vos battle pass. Énormément de nouvelles de promotions sont disponibles dans la boutique. N'hésitez pas, code créateur archive pour me soutenir et soutenir la chaîne. Merci à toutes les personnes qui utilisent ou qui utiliseront le code créateur archive pour le soutien. Vous apportez à sa chaîne, vraiment. Merci beaucoup pour ça.